style jazzy, petit trémolo en fin de phrase. Nikki Yanofsky, chanteuse canadienne qui a déjà travaillé avec Quincy Jones, Herbie Hancock et will.i.am, maîtrise tout ça, plus quelques touches pop, beaucoup plus mainstream, et elle sort un nouvel album. Je décrirais Little Secret comme un album qui me représente vraiment en tant que personne. Cela vient du cœur et je décrirais le son comme du jazz accessible. Il y a beaucoup d'éléments de 2014 que j'ai mélangés avec mes racines de jazz. C'est un peu comme un nouveau son. J'ai rencontré Quincy Jones pour la première fois à 14 ans. J'ai chanté pour lui dans son salon. Et après ça, nous avons dit que nous voulions travailler ensemble. J'ai toujours voulu travailler avec lui. Je suis une grande fan. Et c'était vraiment sympa d'avoir son avis sur ce que je fais. C'était la première opportunité que nous avions de travailler ensemble sur un projet. Nikki Yanofsky est en tournée pour promouvoir son nouvel album et elle est actuellement en France.